Monsieur Bigot, vous avez la parole. Si ça ne vous dérange pas, ce serait Ingrid Julien qui posera la question en tant qu'ancienne habitante du quartier, ça lui tient à cœur. Oui, merci. Donc je peux ? Oui. Oui, allez. oui, donc c'est la question sur les jardins de l'aqueduc. Oui. Depuis cet été, des habitants se mobilisent pour connaître l'avenir de ce jardin. Leur proposition, c'est que ce jardin de l'aqueduc soit, et pour partie, devienne des jardins partagés et pour autre partie, des espaces verts. Je pense que ça correspond visiblement à la volonté de la municipalité d'ouvrir des espaces verts et végétalisés et, j'espère, des espaces citoyens. Donc voilà, au début de l'été, vous nous aviez parlé justement que vous prononceriez sur l'avenir de ces jardins. Donc nous vous posons la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qui est envisagé ? Merci. Bon, au début de l'été, j'ai répondu car m'a indiqué qu'il y a un collectif qui s'est formé et qui voudrait...